Messieurs. Bonjour, Maxime. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et vous? Essayez de nous faire rire, vous gagnez 1000 euros. Pas vous dans les commentaires. Hein. Vous, bah, c'est essayer, beaucoup mais... trop tard dans le processus. Bienvenue sur ce format vidéo ludique très simple. Une table de 4 personnes, attention, qui rigolent pas pour tout et n'importe quoi. Si. Ah bah voilà, si, tu vois, si, t'as rigolé là. Nous sommes dans un milieu urbain. Les gens autour de nous vont pouvoir nous faire une petite blague ou tenter de nous faire rire si une personne sur 4 rigole. Comme par exemple Yvan. La personne remporte 10 euros. Si 2 personnes sur 4 rigolent, 100 euros. Si 3 personnes sur 4 rigolent, 500 euros. Si les 4 rigolent, 1000 euros. Tout le monde peut participer, les vieux, les jeunes et surtout les cons. Chaque somme qui va être versée aux gens, c'est prélevé sur mon compte en banque. Est-ce que j'ai envie de le mettre sur des fonds propres, sur de la trésorerie que j'aurai accumulée au fur et à mesure des années? Non, non, non. Et le sponsor du jour, Mobile Legends Adventure. Vous voulez en savoir plus? La méthode peut. C'est un RPG Idle. Vous savez ce que c'est un RPG Idle? Un Idle, non. Idle, c'est simplement que c'est du clic et glisser, du clic, ah, etc. Du clic et voilà. Il est gratuit sur iOS et Android. Il est parfois relaxant. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il accumule des ressources tout seul. Ouais. Plutôt que de te connecter et de faire « Oh, je dois tout récolter », non, il le fait tout seul. Tu vas l'ouvrir ta gourde. Est-ce qu'il sait ouvrir mon thermos, ce jeu mobile? Parce que là... Lâche ta main. Fin avril 2022, il y aura l'événement Nouvelle Ère. L'événement Vœux en or, oui, qui vous permettra de recevoir un héros rare. Parce que c'est vrai que donner un héros que tout le monde a, on a tendance à dire Mobile Legends. Bon. Déçu. Il y a un nouvel événement Mirage Teinté qui s'affiche à l'écran. Ça va vous permettre d'obtenir gratuitement Farsa. Non mais c'est gratos. Farsa. Farsa. Et obtenir des ressources pour monter votre niveau, bien évidemment. Ah bon, oui. Et enfin, l'appel des corbeaux, c'est-à-dire un événement PVP. Ça veut dire que c'est des joueurs qui se battent contre l'environnement. Est-ce qu'il y a un petit lien dans la description qui... Il n'y a pas un petit lien, il est énorme. Au cas où vous miscliquez, vous tombez quand même sur le lien. Fort. Vous avez très envie de participer à l'événement Nouvelle Ère, donc vous pouvez utiliser le code à vous de l'inventer maintenant. CK3VF2228D. Ah oui, ça s'écrit comme ça. Et grâce à ce code, eh bien vous avez des bonus, des ressources, des cadeaux à l'intérieur du jeu en le téléchargeant. Lien dans la description, merci beaucoup. Bien. Mobile Legends Adventure. Allez, c'est parti. Ça, c'est un buzzer. Si on appuie dessus, la personne doit s'en aller. Si vous nous faites rire, vous gagnez 1000 euros. Le chiffre après 999. C'est un peu des cartes Pokémon, hein. Allez, jeune. Moi, je suis cool, moi. Mais gros, regarde, il y a des gens au téléphone. Genre, tu penses que la blague sur les deux poules et la chèvre. Si, t'avais gaulerie, toi. Allô, papa. C'était quoi la blague de tonton avec les deux enfants tout nus, là? Gagnez 1000 euros si vous nous faites rire. Vous pouvez tenter, c'est gratuit. Oh, trop d'argent, bravo. Il aurait dit ça, j'aurais... Bravo. Allez, 10 000. Ah, la vache. Il est excessivement fortuné. On fait coucou aux gens dans le bus. Bonjour. Bravo, quel courage. Ouais. Toi, t'es un bonheur. Alors, vous avez une blague? Il y a une mouette. Ok. Ouais. Elle demande à une autre mouette. Il y a une mouette, elle a un sandwich. Après, elle demande... Il y a une autre mouette qui vient. Elle lui demande si on peut faire mouette-mouette. Tu gagnes 500 euros alors que tu n'avais même pas fini ta blague. Parce que le premier mot, il s'est trompé. Il fait une mouette. Attends. Tu gagnes 500 balles. Vous allez me coûter un bras. Oh merde. Va demander à l'accueil, ils vont te donner les vrais. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo mec. Et c'est un suivant. Bonjour. Ton prénom? Alan. Alan, tu m'as l'air d'être un petit rigolo. Pardon. Est-ce que tu as une blague pour nous? De quoi? As-tu une blague pour nous? Oui. C'est super. Je sais pas si vous allez rire. Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement? Parce qu'ils n'ont pas de fiche de paye. Fiche. Fiche. Fiche comme poisson en anglais. Si tu me permets, il l'a extrêmement bien raconté. Ouais, absolument. Ouais. Alan, si t'as une autre blague, je te l'accorde. 6000 vaches ont le Covid. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 1000 cas? Du chocolat Milka? Putain, il est fort. Je mets l'explication derrière moi. L'explication des vannes, c'est très fort. Désolé. Ouais, bravo, 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 bravo. Tu fais du théâtre, Alan? Ouais, avant. Ah, ça sent. Avant. Dans ma longue vie. Avant, ouais. Ça fait 10 piges que j'ai pas foutu les pieds sur les planches. Bonjour. Bonjour, Émilie et Agathe. Tenté. C'est bien tenté. C'est tenté. Une femme discute avec une amie. J'ai un mari en or, hein, vraiment. L'autre lui répond, bah le mien il est mort. Il est en tôle. Et moi j'en ai une deuxième. D'accord. Viens, ça enchaîne très vite. Kayak à l'envers, ça fait pas kayak, on coule juste. Ah. Vous avez essayé, quel courage. Bravo, bravo. Bravo, merci. Je suis désolé, vous êtes super. Suivant. Monsieur sur le banc, vous allez craquer au bout d'un moment. Ah yes. Oh, j'adore, ça fait une demi-heure qu'il est là le monsieur. Bonjour monsieur. Je m'appelle Mini, vous avez l'air de rigoler les gars. Ah ouais, mais t'étais pas dans l'enceinte des... Ah oui, il faut être devant le micro. Ah oui. Ah ouais, là je suis devant le micro là. Un soir, je suis invité par un copain pour aller dîner chez une copine. Et en arrivant devant la porte, je vois marqué porte. Je lui dis, mais pourquoi elle a marqué porte? Et il me dit non, c'est son nom. Ça s'appelait porte. Elle s'appelait porte. On va passer un super moment, je crois que j'ai 500 euros. Tu nous as eu à l'usure, ça fait 45 minutes qu'il est sur le banc. C'était ça sa meilleure vanne. C'est ça sa meilleure vanne. Je suis désolé les gars. Ah non, vas-y, merci beaucoup. Oh, je vais être ruiné. Allez. Et bonjour. Bonjour. Juge, j'ai un problème. Ouais. Est-ce que vous pouvez me lire l'heure, s'il vous plaît?
C'est hyper bien tenté. Tu vois, c'est rigolo. Il y a un dessin, il y a un fan art de moi. Merde, mais j'ai pas horrible. Vu. Je peux voir. C'est très marrant. En vrai, c'est très marrant. C'est très marrant. Non, mais ça va du coup. T'as un rire. J'ai un rire. C'est 10 balles déjà. C'est déjà la petite créative ouais. De la matinée. Ça va payer mon tacos. Alors, en fait, c'est une anecdote sexuelle. Réaction trop. C'était au camping cette année. Bah, j'ai 16 ans et du coup, 16 ans, tu fais des expériences sexuelles. Ouais. En gros, on était au camping et tout. Et genre, on veut faire dans le camping. Faire quoi? Enfiler des perles, faire des petits du macramé, elle tout ce qui est comme les ça. Les métaphores. Je peux dire que macramé jusqu'au bout de l'histoire. J'aime bien tout ce qui est macramé et tout. C'est ouf. Tu lui as donné une vanne. Tu as dit, vas-y, fais-la et ça t'a fait rire. Je m'adore. Bon, t'es à 500 balles. Du coup, on fait tout. On trouve un petit endroit. On entend un mec ronfler. On fait notre macramé et tout. Un joli macramé d'un mètre sur. C'est de ma faute. C'est vrai que c'est de ma faute. Désolé. J'ai l'honneur de t'annoncer que tu gagnes 1000 euros sur un macramé d'un mètre sur un mètre. Ton histoire sera largement modifiée au montage. Hein. Ouais, c'est possible. Messieurs, dames, nous n'avons pas pu vous mettre la chute de cette vanne. Oh. Voilà. Monsieur, bonjour. Ouais, monsieur avec casquette jaune, il est là depuis longtemps. Bonjour. J'ai une blague, j'espère que ça va vous faire rire. Ah bah, j'espère aussi. Bon, c'est ces deux amis qui sont dans un parc comme ça, et puis ils discutent. Et puis, il y en a un qui dit à son ami, je suis un peu ému là. Il y en a un qui dit à son ami, voilà, je fais des cauchemars. Toutes les nuits, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est sous mon lit. Bon. Alors son copain lui dit je te propose d'aller voir un psy pour lui expliquer bonne idée, bah oui. Pour lui expliquer ton cas quoi. Bon, le gars il dit je vais faire ça, je vais voir parce que vraiment c'est pas possible, j'arrive pas à dormir. Bon, puis il se revoit et puis l'autre lui dit mais ça fait 2 ans que je suis le traitement, c'est pas mal mais. Je cauchemarde toujours. Tu quoi. Me dis, c'est compté. Allez. Alors finalement, l'autre il dit continue. c'est plus possible quoi. Il faut que tu sois guéri, tout ça. C'est vrai que ce bon, serait bien puis, que tu sois. Étienne, tu sens. Et finalement, bien des années plus tard, il revoit son ami, il lui dit ça y est, je suis guéri. En fait, finalement, ça y est, je suis content. Je cauchemarde plus la nuit. Et puis finalement, l'autre lui dit, mais alors comment t'as fait? Alors on se demande tout. La chute. Alors l'autre il dit, c'est un super psy, ça c'est... finalement, j'ai trouvé un moyen et ça m'a pas coûté un rond. Alors l'autre il dit, explique-moi, ça y est, t'es guéri finalement, ça me fait plaisir. Et puis l'autre lui dit, en fait, j'ai pris une scie, j'ai scié les pieds du lit. Les pieds en plus. Ah ouais, mais elle bravo. Bonne. Elle est magnifiquement bien racontée, mais elle est à chier. C'est 1000 euros, vous gagnez 1000 euros. J'ai 1000 euros, monsieur. Non. Si, c'est vrai. C'est pas possible. Mais si, vous avez mis plein de détails dans votre histoire. Je réfléchissais à une blague, et puis il y a celle-là qui m'est venue. Oh, on a du mal à s'en rappeler de celle-là, surtout à 13h30. Quand on sait plus si c'est chez le psy ou chez lui. C'est sur la longueur, c'est génial. Alors il y a un montage, mais ça dure un quart d'heure ce moment, sachez. Ouais, ça allait. Avec plaisir, monsieur. Bonne journée. On est par terre tous. Alors, elle est bonne. J'en peux plus, non. Alors, vous avez pensé quoi? Messieurs, dames, candidat suivant. Alors, je vais vous raconter une petite blague. C'est un bonhomme qui rentre dans un bar. Ok. Ah, j'adore le perso. C'est 10 balles. Il est parti, il arrive, il regarde le tavernier, il lui dit. Une bière et un perroquet à côté, il dit, et un coca. Regarde le perroquet, il dit, regarde le tavernier, il dit, non. Une bière et un coca. Il dit, comment ça, un coca? Il dit, faut pas l'écouter, une bière et un coca. Il dit, écoute, si tu dis encore un coca, je te cloue. Tavernier, une bière et un coca. Et attrape le perroquet et il le cloue. Il regarde à côté Jésus, il dit, toi aussi tu voulais un coca? Je l'avais, putain, en plus je l'avais. Voilà, messieurs. Tu gagnes 100 euros. Ah, ouais, 100 euros. Ce que j'aime, c'est que tu étais venu juste pour nous faire gaulerie. Ouais. Suivant. Bonjour. 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 Oh, quelle entrée. Je vous fais une blague. Bah, il y a un breton. Enfin, quel est le seul. Enfin, il est pas exactement. T'es sérieux, les gars? Ouais, désolé, mais là... C'est une blague, les gars. T'as rigolé ou pas? Je sais pas, j'ai rigolé ou pas? Arbitre. Ok, j'ai pas rigolé. T'as 500 balles, déjà. Non, 100 balles. T'as 100 balles, allez. Ah, déjà? Ouais. Ok. Les Bretons, ils ont combien de pères? De Uber? De pères. Bretons, combien ils ont de pères?
Ils ont un seul père. En trois ? Non, un seul. En quoi ? Bah, je sais pas, enfin, je l'ai vu sur internet. Ah ouais, c'est incroyable. Il est fort. Je connais pas les blagues. C'est très bien. Tu gagnes 100 balles. 100 balles, 100 euros, mec. Peux t'acheter une PSP ? J'adore les jeunes. Salut, merci à toi. Salut. C'est un breton ? Non. Enfin, Côte d'Armor, quoi. Sa mère, oui, son père, il était plutôt Bourgogne. Suivant. Et il s'appelle... Kéran. Devinez, c'est quoi la ressemblance entre un taureau et un roi? Et un roi? Ouais. Un taureau et un roi? Le roi n'a pas de cornes, le taureau... Les gouilles. La reine. Bah, ils rentrent tous les deux dans l'arène. Avec sa petite voix. Je suis désolé, est-ce que t'en as une autre? Bah, c'est un peu le même genre, oui. Allez, parle là. Pardon, bah oui. Mais c'est un peu plus cru, les gars, je vous préviens. C'est quoi la ressemblance entre un surdoué et un pédophile? Ah oui, d'accord. Ils sautent tous les deux la classe de CP. On sent que t'as une spécialité sur... Sur tout ce qui est... une expertise. Tu repars avec la coquette somme de 100 euros. Il a encaissé. Ok. Je vais les mettre directement sur le Nasdaq. Merci beaucoup. Merci, mec. J'adore tout. Salut. J'adore tout. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça se passe comment? Je raconte une blague directement comme ça? Tu fais ce que tu veux. Si on rigole, c'est bien. Bah, t'es un peu courte. Hein. Connaissez la différence entre mon cul et un bonbon à la menthe? Non. Le goût. Ok, le goût, bah oui. Elle est super bien, cette frontale. Elle est bien quand même. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre? Je peux parler vulgairement ou pas? Je t'avais commencé, t'avais pas demandé la permission. C'est vrai, c'est pas faux. C'est quoi la différence entre une pute et une pizza? Non, j'ai pas. Le goût? Les olives? Non, la pizza, tu peux la commander sans champignons. Hein. Rapport au MST. Elle est bien celle-là. C'est Thomas qui m'a fait rire du coup. Bien joué Thomas. Je viens de craquer, parce que t'as dit c'est Thomas qui m'a fait rire. Il a dit bien joué Thomas. Tu remportes 100 euros, absolument pas mérité. C'est vrai. Merci. Salut. Salut. Vivant. Il a été chercher sa grand-mère. Il a été chercher sa grand-mère. C'est un génie. Oh, mais il aurait dit ça, j'aurais dit. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Vous applaudissez avant de savoir. Ah bah c'est pour le... Méfiez-vous. Bah, je vais vous poser juste une question. C'est normalement une blague. Pourquoi y a-t-il vraiment beaucoup de familles nombreuses dans le nord de la France, là où il y a des mineurs? Je ne sais pas. Parce que le concerto en salle mineure. Parce que le concerto en sol mineur. Oui. Parce que le concerto en sol mineur. Attends. Le concerto tosto en sol mineur. Elle est mine. En sol mineur. Elle est super poétique. C'est 100 euros. C'est 100 euros. Votre prénom? Marie-Noël. Marie-Noël, vous remportez 100 euros. Bah, bravo pour cette histoire. Et pour incroyable. Il y aura un vrai. Merci. Merci beaucoup. Après, elle nous a tous traités de cons dans le nord. Enfin, les cons. C'est vrai. C'est une généralité qui a été faite. Bon. Hello. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Vous vous connaissez toutes les deux? Oui. Ouais. Vous êtes besties, vous? Non. C'était incroyable, cette réponse, quand même. Ça fait 100 balles. Ah ouais? Ok. Vraiment? Putain, on est trop fort. Ah non, c'est pas fini, Vous préférez le chocolat ou la vanille? La vanille, personnellement. Le chocolat, moi. On s'en bat les couilles. Ce perso est fou. Alors, vas-y, ouais, elles s'en bat les couilles. Quelle est la différence entre une pute et une pizza? Ah, on l'a eu déjà là. Il y a 5 minutes, quoi. Vas-y, ah, mais 5 minutes. Champignons. Dommage. Elle peut redire un truc qu'elle s'en fout? Ouais. Genre, dans le feeling? Ouais. Ah bah, j'ai plus rien. Désolé. J'aime bien. C'est pas génial. Et moi, heureusement, j'ai déjà craqué. J'aurais craqué 3 fois déjà depuis. 100 balles pour la violence de l'inconnu. Voilà. Désolé pour la violence, désolé. Désolé pour la violence. C'est quoi ton prénom? Maxime. Ok. Si j'arrive à vous faire rire, j'ai compté exactement 19 fois. Ça repart dans la caisse et on part à la maison. Toi, t'as ton train, moi, je revois ma famille. Et on se fait pas chier avec tous ces gueux. Ah, une fois. 10 balles. Ok, ok. Je vais en faire une, mais elle est assez osée. Ça, c'est ma bite. C'est une balle. Oh, j'ai failli me buzzer, je me saoulais. Là. Là, on est là. Allez. Là. Oui. Ouais. Là. Ici, là. Vas-y. C'est marrant, il est dans le jeu. Non, pas derrière, ici. C'est marrant, il joue avec nous, là. Vas-y, avance. Putain, il est fort. C'est à ton... Ouais, c'est à ton tour. Allez. Et c'est juste maintenant. Juste ici. Ouais. Let's go. C'est là. Ici. Ouais, juste devant. On est là. Là, t'avances encore un petit peu. Tu mets ta tête juste à côté du micro. Ok, attendez, je peux juste... Non. Oh putain, je... Ouais. Waouh. Voilà. Je pense que... on peut faire une blague comme ça, non? Oui. Ah, tu peux. Absolument, ouais, c'est un vrai avec choix. Avec grand plaisir. On va essayer de faire une blague un peu marrante pour les gens. Oh bah... De rire des c'est assez drôle. C'est comique visuel, là. C'est une vanne ou pas? Peut-être. Ouais. C'est quoi la différence entre une pute? Putain, c'est pas possible avec une pizza. Arrêtez avec les putes.
Et une pizza. Oh non. Oh, c'est quoi la réponse, monsieur? La pizza sans champignons et pas la pute. Ouais. Ah, moi je pensais juste prix, hein, c'est tout. Il réinvente. C'est trop fort. Allez, je te laisse encore 45 minutes, après je buzz. 45 minutes. Divertis-moi. Je peux pas cliquer moi-même dessus le truc pour. Vas-y, baisse-toi. Waouh, quel génie. Bravo. C'est fort, hein. Salut. Merci. Nous continuons cette vidéo en déjeunant. Bonjour. Non, putain. Pour la chance. Si, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, toi-même. Très bien, très bien. Je commence? Oui. Ok, très bien. Comment? Non. Ça commence très mal. C'est le stress, messieurs. Bah, le stress, pourquoi? C'est super payant, vas-y. Bah oui, c'est oui. Pourquoi ne mettons que des crocos en prison? Parce que les crocodiles. Putain, ouais, elle est trop connue, celle-là, je crois. Tu gagnes 100 balles juste parce que t'étais stressé, tu sais ça? Ah ouais? Ouais. Non. Non. Les gars, par contre, Dickem, je savais pas que j'étais aussi drôle que ça. Ah mec, c'est un beau temps. Si quelqu'un me l'avait dit avant. Messieurs, plus vite, faut que je retourne en espagnol. Bah vas-y, vite, prends ton chèque et casse-toi. C'est là-bas, ça va. Merci, super. Mec. Je savais pas que j'étais si drôle, c'est le gars le moins drôle. Ah ouais? Tu savais pas que j'étais hilarant? Suivant. Bonjour. Oh merde. Salut. Ça va ouais, un peu stressé quand même. Un peu stressé, normal. Il y en a un qui a gagné 500 balles à cause du stress tout à l'heure. Mais ouais, mais c'est mon copain. Enfin, c'est pas mon petit copain, mais c'est mon copain. Enfin. Ça a l'air compliqué. Il est sympathique, donc voilà. Ça fait du macramé régulièrement. Oui. Non. Merde, j'arrive. T'as déjà entendu un spermatozoïde crier? Bah croque la prochaine fois. Quoi? T'es très violent. T'es rapport à tout ce qui est avalage de... Boum. Blanc. T'as gagné 500 euros. Sérieux? Ouais, bah oui, 500 balles, bah oui. Je pourrais vous faire un bon repas avec ton petit copain qui est pas ton petit copain. Quoi? Mais je suis choquée. Vous êtes les deux personnes les plus mignonnes et mal à l'aise depuis le début. Vous remportez 1000 balles. Jouisant cet après-midi. Bon après-midi. Merci. Salut. Comment allez-vous? Bonjour. J'ai une petite blagounette pour vous. Allez. J'espère qu'on vous l'a pas faite, j'espère qu'elle va vous faire rire. Est-ce que c'est la différence entre une pizza et une pute? Non, pas encore. Ça se le garde pour après. Deuxième. Vous allez voir, vous allez rire. Quel est le tigre qui ne sait pas nager? Je sais pas. Le tigre Grégory. Ah putain, je connaissais pas. Elle est bien. Elle est bien, mais... Non. T'en as une autre petite ou pas? Quelle est la différence entre une pizza et une pute? Mais c'est à cause de vous que je rigole. 1000 balles. Mais ça c'est du skill. Très, très fort mec. Mais non. Mais oui, j'ai pari. Je vous promets que j'ai pari. Refaire. Quelle est la différence entre une pizza et une pute? Tu gagnes 1000 euros. Merci mec. Les gars, en 5 minutes, c'est un carnage. Hello. Salut. J'ai réfléchi à une blague et j'ai pas trouvé. Donc je suis allé sur blague 40 barres sur Google. 40 barres vraiment? Oui, totalement. T'as pas peur toi? J'ai 40 boules toutes rondes et j'excite les vieilles dames. Qui suis-je? C'est dans 40 barres ça? Ouais, c'est le bingo. Ah zut, dommage. Et voilà, c'est ça la réaction que j'avais peur. C'est pas un rire, c'est ah oui, bah oui. Mais c'est tenté. Bah écoute. Bravo. Tu peux bravo à la vie, chez merci. Toi, les merci potes à toi. Très très sympa. Mais le cœur rempli. Salut. J'ai envie de crever. Messieurs, dames, vous pouvez envoyer poule au 92 050 pour faire un don de 2 euros à l'association Enfants du Désert. Ah bah oui. Dont je suis le parrain. Allez, let's tu peux go venir. Et quel courage, hein, parce que... Mais oui. T'avais pas envie au début. Raconter une blague, je sais pas faire. Par contre, je peux vous raconter des conneries qui sont arrivées dans ma vie. Okay. Vas-y. Manu, c'est un pote, arrive chez moi, il me fait, ouais, tout, t'as pas un truc à boire et tout, machin. Bah, je regarde dans mon bar et puis je sors une petite bouteille de whisky, je sers un petit verre, et il prend, paf, il enquille, quoi. Je fais, mec, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Il fait, non, vas-y, t'en as pas un deuxième. Paf, j'en sers un deuxième, un troisième, un quatrième. Là, je lui fais, Manu, déconne pas, quoi. C'est... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et il me dit, mec, tu devineras jamais, quoi. Aujourd'hui, je fête ma première pipe. Et je fais, mec, c'est trop bien quoi, vas-y je t'en sers un autre. Il fait non, t'inquiète, le goût il passe pas. Ah, c'est l'inverse. Okay. C'est l'inverse de ce qu'on attendait. C'est pas une vraie histoire. Un magicien dévoile jamais ses tours. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Je ris. Est-ce que tu en as une autre? Ouais. Ah. Allez, let's go. T'as un mec qui il va voir son docteur. Il fait docteur, faut que je vous dise un truc, faut que vous examiniez, j'ai le trou de balle de la taille d'une pizza. Ah ouais. Et l'autre il fait ok, vous avez des hémorroïdes quoi. Il fait non. Docteur, regardez, j'ai le trou de balle de la taille d'une pizza. Ouais. Et là, il enlève son ben, et effectivement, il a le trou de balle de la taille d'une pizza, quoi. C'est énorme. Et il fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, bah, je reviens d'un safari en Afrique. Il fait, ok, et puis, bah, je me suis fait prendre par un éléphant. Il fait, d'accord, mais un éléphant, ça n'a pas une si grosse, quoi. Il fait, ouais, mais avant de me prendre, il m'a mis un doigt. Elle est trop bien. Deux. Elle est bien, j'ai pari. Bah, bravo, c'est un vrai. Tu vas aller chercher le vrai. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, mec. Hé, comment ça va? Super perso. Merci. Oh là là. Y a rien encore. Mais ok, bientôt. D'accord. J'ai décidé de vous interpréter des personnages de ma création. Ah, ok. Yes. Oh wow. Je vais juste me mettre en condition. Ok, normal. Parce que j'ai une formation. Allez, soyez forts les gars. En actorat. Ok.
Je peux pas rire, je fais. Ce personnage s'intitule l'homme qui avait peur du côté face. L'homme qui avait peur du côté face. Moi j'ai rigolé une première fois, je me régale, c'est bon. Rythme. Ça va être bien. Let's go! Je les veux tous. Vous en voulez un autre? Ah oui, oui, oui. Ce personnage s'intitule un client lambda dans un bricorama des années 2010. Très précis. Un client lambda d'un bricorama dans les années 2010. Je répète. Pour être sûr. Un compte client? Oui, vous avez regardé à Dupont de Ligonnès? Ah waouh, je l'ai. Namasté. Namasté. T'as un autre perso ou c'est bon? Ah si, j'en ai un dernier. Là, on est chez Aldi cette fois. Ce personnage s'intitule un enfant dans une école primaire américaine. Ok. Un enfant dans une école primaire américaine. Fabrice, t'as pas un flingue? Eh hey, mais quoi? Il me reste des confettis, vous en voulez? Ah oh, oui, je t'en supplie. C'est imparfait. Qu'on donne 1000 balles à cet homme. Mais c'est un mec grand. De moustachu à moustachu. Le transfert est effectué. Attends, t'es humoriste? Ouais. Quelque part, tu me rassures. Avec plaisir. Salut mec. Bravo. Salut, ciao, merci. Ouais. Et c'est un suivant avec Laurent Dutch, version 20 ans. Ok, ça va. Vas-y. Allô. Quoi? Si on rigole pas, c'est comme ça. Hein. Non mais je vous le dis. Hein. Oh, non. Oh non! Voilà! Il l'a eu! Là c'est bon les gars, vous serez dans la vidéo je pense. Les gars, je vais le transmettre directement là-bas parce que j'ai un peu peur que... Ils vont plus être bons. Bravo les gars, c'est 1000 balles! 1000 euros. 1000! Putain, incroyable! Suivant! Il y a les Jack Black, vas-y. Ah, bonjour. Bonjour! Bonjour! Ok. Du coup, je vais vous faire une... Je crois que j'ai un petit problème, je suis désolé. Ouais. Vas-y. Excusez-moi. Wow. Mais comment? What? Ok, d'accord, il le maîtrise. On m'appelle la vipère. Ok. C'est tout. C'est tout. Évidemment. Il y a 1000 euros. Évidemment, mais bien évidemment, c'est 1000 euros. Il y a 1000 euros. Oh là là. Pardon, mais ce n'est pas un gag ni un objet, c'est tu as une sorte de dentier. Exactement. Je crois que c'est la team du Comedy Club. Exactement. Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, let's go! Allez, c'est bon, y'a rien à perdre! Dans ma famille, on joue à un jeu. Ça s'appelle Celui qui meurt après 50 ans, sa mère, c'est une pute. Ouais, que des maladies improbables. Moi, la première, le diabète. 3 ans chez McDo, tout ce que ça m'a rapporté, c'est un taux de cholestérol supérieur au PIB du Yémen. Ça va très vite. Ouais, je suis célibataire, c'est un choix, pas le mien. Ouais, ouais, non, vraiment, physiquement, c'est compliqué. Je suis 1m55, j'ai arrêté de grandir en 2004. Ouais, tu me mets en slip sur une plage avec d'autres enfants, je repars avec n'importe quelle famille. N'importe laquelle. C'est drôle. Je vois même pas le monde à la même échelle que vous. Vous marchez dans la rue, vous êtes face à face avec les gens. Moi, je vis à hauteur de tub. Ouais, les hommes grands, vous êtes mon calvaire quotidien. On m'a même dit un jour, t'as des joues à caler des glands. Ouais. Pas le fruit de l'arbre, d'accord? Pas le fruit de l'arbre, c'est... Ouais. Bah, c'est gagné. Bah, c'est gagné. T'as gagné 10 euros là. Ah non, c'est bon. Oui. C'est quoi ton nom? Dis-le. Louane. Louane, allez voir Louane. Bravo. Bah, bravo. Voilà, j'avais dit que c'était fini, on a encore perdu 1000 balles. Est-ce qu'on peut faire l'outro? Est-ce que je continue de me foutre en l'air, moi? Messieurs, on a passé un très bon moment. Merci beaucoup à Mobile Legends Venture. Absolument, ils ont sponsor la vidéo et ils m'ont permis quand même de réaliser une marge nette qui n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu de sponsor. Donc merci à eux. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Car l'arrêter en cours, c'est très vexant. Oh non. Je le vois, j'ai les stats. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup les gars. Merci à tous les gens qui ont le courage de passer et qui m'ont vidé les poches. Salut. Au revoir.